Good morning, Aleiden, les tuer aujourd'hui, les Lonishmat Mori Rabbi, Shmuel, Ben Shlomo Zalman, Nissim Ben Ahuda, Sarah Batran Rachel, Shlomo Ben Esther, Richa Batrim Nechemia, ainsi que l'Irfouat, Avraham Uri, Ben Reut, Vetor Shachol Israël. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternel, nous étudions Masechet Zvachim, Perek Vav Mishnah Dalet, Chatat Aof, Ketzad Aitana Aset, Aya Moleket Rosha, Mimul Orpa. ואינו מבדיל, ומזה מדמה על קיר המזבח, שהרי הדם היה, היה מתמצא על היסוד, אין למזבח אל הדמה, וכולה לכהנים. Donc, je vous avais dit, là maintenant, on va commencer à rentrer dans les détails techniques sur la manière de faire les sacrifices de Olataof et Khatataof, c'est-à-dire les volailles, ça implique les tourterelles et les pigeons, qu'on peut faire soit en tant que Khatat, soit en tant que Ola. De manière générale, je vous dis d'abord des très généraux. Là, excusez-moi. Il y a tout d'abord, lorsque le point commun d'abord, c'est que pour les volailles, on ne fait pas la shrita avec un couteau, mais avec l'ongle du Kohen. On va faire une démonstration tout à l'heure, d'une certaine manière, on va finir la Mishnah. Ensuite, Khatataof. Alors, la manière de la faire, on ne donnait aucune part pour le misbéar, si ce n'était que, une fois qu'on avait fini de l'abattre, on versait son sang sur le misbéar. Et après, elle était consommée intégralement par les Kohanim, tandis que la Ola Taof, elle est Ola, elle monte pour Hachem entièrement, donc elle n'est pas du tout consommée par les Kohanim, au contraire, elle va être brûlée entièrement. De ce fait, si vous vous rappelez du dessin qu'on avait, ça y est, on a repris le cours naturel, donc on a remis les cadres en place, mais si vous vous rappelez du dessin, on avait le coin qui se trouvait Drom Ma'arav, sud-ouest, qui est donc entre le Hechal et le Kevesh. Et là-bas, on faisait le Khatataof en bas et la Olataof en haut. Khatataof en bas, étant donné que se précise dans le Pasouk, qu'il faut verser le sang sur le Yesod, sur le socle, tandis que la Olataof, on verra dans la prochaine Mishnah, qu'il fallait la faire plutôt en haut du Misbéach. On expliquera le procédé plus tard. Pour le moment, on explique d'abord Khatataof, Ketzad Aita Neeset. Comment faisait-on la Khatataof, le korban expiatoire qu'on apportait avec un off? Expiation avec une volaille. Ketzad aita naaset. De quelle manière était-elle réalisée? Alors la Mishnah nous enseigne. Haya moleket rocha mimul orpa ve'eno mavdil. Littéralement, il faisait la melika, il la battait avec son ongle. Abattre avec l'ongle, ça s'appelle faire la melika. Le Kohen, il avait un ongle du pouce long qu'il enfonçait d'une certaine manière dans le cou, plutôt sur la nuque, de la volaille pour la tuer de cette manière, il la battait, et c'est comme ça qu'il fallait faire le korban des volailles. Donc il faisait la melika, ayamolek et rocha, il coupait sa tête, mimoul orpa, face, alors littéralement face à la nuque, mais en réalité, je vous explique, c'est très simple, il y a sur le crâne, là où le crâne commence à redescendre, regardez, j'ai cherché un pigeon dans les... J'ai cherché un oiseau dans les poupées de mes enfants, j'ai pas trouvé, mais j'ai trouvé un Mickey. Donc on va aller faire la Melika, un Mickey aujourd'hui, d'accord? Je vous expliquerai comment est-ce qu'on fait tout à l'heure la Melika. Pour le moment, je vais vous expliquer la manière de parler. Il y a dans tout crâne, dans la courbure du crâne, alors ça s'appelle le Oref, concrètement. Et donc ce qu'on appelle Moul Orpa, face au Oref, ça signifie toute la longueur de la nuque qui voit ce coin-là, cette redescente. Je sais pas comment ça s'appelle en bon français. D'accord? C'est là justement où on met le nœud des tefilines. Il doit arriver à cet endroit-là, là où ça redescend, là où ça commence à redescendre dans la courbure. Et là précisément, il faut faire attention à ce que le nœud des tefilines soit posé là, qu'il ne descende pas plus bas, je dis à l'achat à connaître, qu'il ne descende pas sur la partie découverte où il n'y a plus de cheveux. Mais même là où il y a des cheveux, il faut absolument faire attention que ce soit dans la diagonale, enfin, quand le crâne il finit de se redescendre avant de redevenir droit. D'accord? Dans cette partie-là. Et ça s'appelle le Oref. Et Moul Oref, face au Oref, c'est toute la partie qui voit ça, ça veut dire tout en fait toute la nuque. D'accord? C'est les mots. Aya Molek et Rochar mi Moul Orpa. Il faisait la Melika, il l'abattait donc dans sa tête face au Oref, donc on va dire la nuque. Ve'eno Mavdil. Il ne devait pas séparer la tête de l'animal. À la différence de la Olataof, comme on expliquera ensuite. Là, il fallait juste qu'il la,
il l'abat, mais sans lui déconnecter la tête du reste du corps. Il la laissait rattachée jusqu'il l'avait abattue. Il coupait même un peu de la chair ensuite, mais sans, de manière à ce qu'elle reste encore, à ce que la tête reste rattachée au corps. Et ensuite, Umaze midama al kira misbeach. Une fois qu'il a fini de l'abattre de cette manière, donc il y a maintenant le cou ouvert, il la garde en main, et il est mazé midama al kira misbeach. Il asperge de son sang sur le misbeach. À la différence d'un korban classique où on récupère le sang dans un ustensile et puis après on prend de l'ustensile et on jette, là pour la khatata off, il fallait la prendre une fois qu'elle avait été abattue, qu'il y avait le cou saignant, il fallait l'asperger directement sur le kira misbeach et ça partait là-bas, dans ce coin-là, sur le mur. Et ensuite, une fois qu'il avait fait un coup d'inspiration, il y avait même eu une goutte de sang qui était partie sur le kira misbeach. Officiellement, il avait fini l'expiation selon le niveau imposé, mais il fallait quand même continuer à vider tout le sang. De quelle manière ? Chez Adam, le reste du sang du poulet, de la volaille, haya mitmatse ala yesod, il le laissait couler d'un liquide qui se réunit pour ensuite s'écouler. Alors ça s'appelle qu'il est mitmatse en hébreu. D'accord ? Donc haya mitmatse ala yesod, il le faisait couler sur le yesod, sur le socle. C'est-à-dire, en fait, le partenaire, il explique qu'il prend le cou de la volaille, il le rapporte contre le mur et il écrase le poulet complètement, de manière à ce que tout le sang va couler, va dégouliner du mur jusqu'au yesod, jusqu'au socle du misbeach. Et une fois qu'il a fini de faire ça, hein, alors en la misbeach et la dama, le misbeach, l'autel, ne reçoit de la khatata off que son sang, vekula la kohanim, tandis que toute sa chair va être consommée par les kohanim. J'explique maintenant un petit peu mieux le principe de la melika. C'est expliqué dans le premier Barthénora de la Mishnah. Et le Tiferet Israël propose quelques petites nuances. Je n'ai pas approfondi encore le sujet. J'utilise Vachim en Gemara en ce moment, mais on est encore dans le Perek Bet, et là on est déjà dans le Perek Vav. Et donc je n'ai pas approfondi le sujet pour voir exactement d'où c'est parti cette discussion. En tout cas, le principe d'abord, le principe de la melika. Toujours les avodot, les services qu'on fait au Beth Amikdash avec la main droite, c'est la main essentielle, la main de l'honneur. Donc, de ce fait, la médicale doit être faite avec le pouce droit. Donc, il fallait prendre le poulet dans la main gauche. De quelle manière ? Le principe, il est simple. D'abord, de manière très grossière, le principe, il est d'avoir le poulet comme ça, le bloquer, et de lui enfoncer le cou comme ça. D'accord ? De lui enfoncer le pouce sur le cou de manière à ce qu'on va lui perforer. Bien sûr, vous savez qu'on a le canet et le véchette, la trachée artère et l'œsophage. Ce sont les deux canalisations, un de la respiration et l'autre de la digestion. Lorsqu'on fait la shrita d'un animal, il faut égorger deux simanim, d'un bovin, d'un ovin. Deux simanim, il faut égorger les deux, il faut toucher au moins la majorité de chacun, les ouvrir, les couper. Et pour les volailles spécialement, il suffit d'en couper un seul. Donc de ce fait, ça nous allège quand même le travail. On apprendrait quand même pour la Olat Alof, il veillait quand même à couper les deux. Donc concrètement, maintenant on va faire une démonstration. Tel que c'est rapporté dans le Barthénora, en fait, regardez Mickey, on va dire que c'est ses ailes, d'accord ? Tel qu'il propose le Barthénora, en fait, il prend entre l'annulaire et l'auriculaire, il attrape les deux ailes. Et donc maintenant on a la tête du poulet qui se retrouve comme ça. D'accord ? Vous avez bien vu comment ça se passe ? Alors maintenant, il prend la tête de l'animal, il le bloque, il tend au mieux la peau du cou, de la nuque, et une fois qu'elle est bien tendue, il prend son pouce droit, et alors là, le pauvre Mickey, ça y est, on le tue. Et il lui enfonce, il commence d'abord par lui enfoncer, donc il va commencer par lui couper la mafrequette. La mafrequette, c'est quand le cou du lapin, c'est-à-dire c'est le haut de la colonne vertébrale, et il coupe la mafrequette. Il arrive ensuite, il va atteindre à un des deux, le canet ou le véchette, l'œsophage ou la trachée artère. Et ensuite, une fois qu'il les a coupés, alors il continue, il fait sortir son ongle d'un côté ou de l'autre, de manière à ce qu'il va aussi couper la majorité, une partie de la chair de l'autre côté. Mais bien sûr, on va se retrouver avec la tête coupée, mais pas déconnectée. Elle reste collée, à la différence de la Olata Off, où on apprendra justement qu'il fallait la déconnecter complètement. Pour la Khatata Off, il se contente juste de la déconnecter. Et ensuite, donc, comme ce qu'on a dit, il l'attrape dans la main, il reprend la main droite, je suppose, je ne l'ai pas vu écrit, mais je suppose que c'est sûr que c'est comme ça que ça se passe.
il reprend dans la main droite, il asperge une goutte qui arrive sur le sang, sur le misbéar, c'est bien. Il prend maintenant le, voilà, ça c'est le mur du misbéar. Il prend maintenant le poulet, il l'amène là où il y a l'ouverture de la médica, il la pose contre le misbéar, il écrase le poulet, tout le sang dégouline sur le socle, c'est parfait avec mon meuble là ici, ça va me faire le socle, ça dégouline dessus, une fois qu'il a fini ça, il donne ça au Kohanim à manger. D'accord ? C'était clair ? Il y avait encore un détail ? Non, je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout, on va s'arrêter là, on a tout fait, Baruch HaShem. Et, ah oui, ça, c'est, non, on a qu'à relire. Allez, on relit une fois la Mishnah, histoire de mieux refaire ça dans les mots. Khatata of, ketsadaitana, c'est comment est-ce qu'on faisait la khatata of? Alors, ayamolek et rocha, mimolorpa, il faisait la melika, il abattait, donc, ça, sur la tête, il lui coupait la vitalité de la tête, la melika, mimolorpa, face à la nuque, donc dans cette partie-là, concrètement, sur la nuque, concrètement, ve'enomavdil, il ne séparait pas la tête complètement. Il a laissé rattacher de l'autre côté avec un petit bout de chair. Umazé midama al kir hamisbeach. Et donc il asperge ensuite de son sang sur le kir hamisbeach, sur le mur du misbeach, sur la façade. Attention, précision, dans la partie inférieure, depuis le milieu du misbeach, de la hauteur jusqu'au bas, interdit de passer la partie supérieure du misbeach. Il y a des corbanotes qui sont où le sang doit nécessairement arriver en bas et des corbanotes où le sang doit nécessairement arriver en haut. Mais il n'y a aucun corban, donc ça arrive soit en haut, soit en bas. Chacun selon son niveau d'expiation. Umazé midama, donc alkir hamisbeach. Ensuite, chez Aré Adam, les restes de sang. Donc, une fois qu'il a fini d'asperger, il a envoyé juste quelques petites gouttes d'eau, de sang. Qu'est-ce qu'il fait avec le reste? Alors, Haya mitmatse ala yesod. Le Bartanoa nous dit, chez Mekarev bet melikato la misbeach. Il rapproche le bet amelika, l'ouverture de la melika sur le misbeach. Vedochako, il appuie dessus, il le presse. Bekir, ve'adam mitmatse ve'yored el yesod, et le sang dégouline et coule sur le yesod, et ça se déduit dans les versets. Précisons ce que je vous avais dit tout à l'heure. Non, laissez tomber, c'est pas grave. On verra ça dans la prochaine Mishnah par rapport à l'or l'intérieur, est-ce qu'il va les couper un ou deux siman. Et la Mishnah conclut en nous disant donc, en el misbeach el adama, le misbeach ne reçoit de ce korban que son sang, tandis que ve'kula la kohanim, toute la chair est ensuite consommée par les kohanim. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de hatzlacha, kol tov, selah.